est parti de l'idée d'un escape game. Donc c'est des jeux qui sont en ce moment très à la mode. On est enfermé dans un bâtiment et il faut résoudre des énigmes pour sortir du bâtiment. Alors bien sûr, on n'était pas sur un projet aussi drastique ou aussi effrayant, entre guillemets. On sait bien que les visiteurs à Arkéos ne seront pas enfermés. L'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un jeu familial où les enfants, les parents puissent jouer ensemble. Et donc on voulait qu'il y ait des énigmes à résoudre, une petite enquête en fait, en quelque sorte, puisque le travail de l'archéologue, et c'est ce qu'on essaye de démontrer aussi par le propos, c'est un travail d'enquêteur. On va chercher des indices, on trouve des traces, on les analyse, on comprend comment, en analysant toutes ces traces, comment les gens faisaient, comment ils vivaient. Et on voulait vraiment mettre nos jeunes visiteurs et leurs parents dans cette position d'enquêteur. Et donc c'est tout le principe du jeu, où on a un personnage de conservateur un petit peu lunaire, qui a une amie archéologue qui elle est très facétieuse et qui lui dit bah, « Écoute mon ami, je t'ai planqué une caisse avec des éléments et des pièces archéologiques rares et t'as pile 45 minutes pour aller ouvrir cette caisse et pour ça il faut que tu fasses toute une recherche, que tu résolves des énigmes et que tu te promènes dans toutes les salles, en tout cas tous les espaces de la salle d'exposition permanente. »